Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la Revue de la Presse. Nous vous invitons également à faire un tour sur nos différentes plateformes médias, notamment notre chaîne YouTube et notre page Facebook, où nous vous invitons à vous abonner. À la une du quotidien Mutation ce matin, régional, attention pillage. La sélection des candidats au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est marquée par du chantage et des marchandages. La circulaire du président national et la mise en garde du secrétaire général du parti sont ignorées, nous informe ce matin le quotidien en commentaire. L'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances, Diapason pour sa part, parle de droits d'auteur de l'art musical ce matin. Vers une nouvelle gestion est le titre en grande une. Sanfin Thomas et son équipe doivent déposer le bilan de la Société nationale camerounaise de l'art musical. Le ministre des Arts et de la Culture, Pierre-Ismaël Bidoukouat, veut voir clair pour une nouvelle dynamique, nous fait savoir ce matin l'hebdomadaire Diapason. Le journal Ouest Echo pose une grande interrogation ce matin. Qui sera le premier président du conseil régional de l'Ouest? Trois prétendants, un président. Avant même que les candidatures ne soient déposées, les tractations ont commencé sur l'identité du prochain président de région de l'Ouest. Trois noms sortent du lot, nous fait savoir ce matin le journal. Le journal pose également une autre interrogation ce matin dans ses colonnes et notamment en petite une, Révolution des abeilles, quelle est la vraie position du SDF? Également sur la mémoire de Oum Niobe ce 13 septembre, Paul Biya et le RDPC relancent les divisions à l'UPC, titre le journal. Éco-santé pour sa part parle d'imbroglio. L'urgence des élections à l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun est le grand titre de ce matin. Après moult échecs du bureau sortant du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun d'organiser les élections depuis 2 ans, et ce, malgré l'intervention du ministre de la Santé publique, Dr. Manaouda Malachi, les pharmaciens viennent de lancer une pétition aux fins de convocation d'une assemblée générale extraordinaire de cette institution en fin octobre 2020 pour l'élection d'un nouveau bureau. L'équipe sortante conduite par le docteur Prosper Hiak propose quant à elle la date du 8 décembre 2020, nous fait savoir ce matin Éco-Santé. Le quotidien de l'économie parle de tourisme ce matin, les chantiers de la relance post-Covid-19. Et puis également dans ses colonnes, aviation civile, la direction de la Segna échappe au Cameroun, nous fait savoir le journal. Le quotidien Réalité Plus est également un kiosque ce jour et parle de médias. Charles Ebouné, nommé ambassadeur extraordinaire par 2 universités américaines. Le jeune et puissant journaliste présentateur de Globe Watch sur la Sia TV vient d'être honoré par 2 universités américaines pour son dynamisme et sa popularité. Charles Ebouné a reçu leur pension pour être leur porte-parole dans le monde entier. Et puis également dans les colonnes du quotidien Réalité Plus, Insurrection, honorable docteur maître Fosso Faustine, Meanga de Gamto et compagnie. Préparation des régionales, Eyebea ici à la reconquête d'Union Ekele, titre ce matin Essingang. En mission commando dans ce principal foyer de l'opposition dans le Grand Sud, le président de la commission départementale de réception et d'analyse des candidatures du RDPC a privilégié la conciliation et le consensus autour de la liste de son parti en consultant la totalité des conseillers municipaux du département, nous fait savoir ce matin le journal Essingang en commentaire. Le journal se propose également de nous faire savoir ce matin en petite une et au sujet du football, comment Pierre Semenge savoure sa revanche. L'apparition de Flèche d'Afrique de ce matin nous parle en grande une des docteurs Bayero Fadil et Mohamedou Salou qui, à travers le programme Jaroga University, offre 10 000 bourses d'études aux étudiants camerounais. Invité par le superviseur du CGN, le docteur Bayero Fadil, le compatriote camerounais déroule les contours du partenariat avec le CGN. Le docteur Salou, à travers le programme Jaroga University, offre 10 000 bourses d'études à l'ensemble des étudiants camerounais, dont 1500 programmes pédagogique doté de 2 plateformes e-learning. Le docteur s'attaque de manière frontale à la problématique très actuelle du positionnement des Africains, en particulier des Camerounais, dans le concert des nations. Également dans ses colonnes ce matin, et notamment en pied de une, les travaux herculéens du génie militaire à Baham. Et puis, prix Majesté Amogou Bellinga, Startup Vision 2035, la présentation des projets fixés au 10 octobre 2020 à Yaoundé. L'hebdomadaire parle également de Sonara, produits pétroliers, les grands chantiers de l'infatigable Jean-Paul Simon Jomo. Toutes ces informations se trouvent ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire international d'information, d'enquête, d'analyse et de débat. L'hebdomadaire Tribune d'Afrique est également à kiosque ce matin et parle de Cameco.
les non-dits de la crise entre le DG et le PCA. Les faits sont inédits et révèlent même une tragicomédie entre un DGA qui répond aux demandes d'explications et observations par les mêmes objets et le DG qui veille au respect de l'orthodoxie administrative. L'on ne sait plus où mettre la tête avec en toile de fond la complicité manifeste du PCA Jean-Ernest Ngalé Bibé. L'hebdomadaire également dans ses colonnes ce matin fait des révélations de Cyril Sambaka sur les raisons de sa démission du parti UDC. Et puis au Mali, l'ancien président Moussa Traoré est décédé. Sélection des candidats, le RDPC courtise les femmes et les jeunes, constitue le grand titre ce matin du journal de Jean Cuité, L'Arcyon. D'après le journal, le parti s'est fixé pour objectif d'accorder plus de place à ces deux catégories sociologiques lors des élections régionales du 6 décembre 2020 prochain. Le quotidien Émergence, pour sa part, se penche ce matin sur la situation politique au Cameroun. Monseigneur Abraham Gomé dénonce Mbia et son système électoral, titre ce matin le quotidien. La lettre au vitriol du président de la Conférence épiscopale nationale n'épargne pas le bilan du président de la République, nous fait savoir ce matin en commentaire le quotidien Émergence qui pose quand même une autre interrogation. Qui est véritablement Monseigneur Gomé? La réponse se trouve en page 5 du journal. La réforme du code électoral intéresse le messager ce matin qui parle de l'évangile selon Mgr Abraham Gomé. Dans une tribune publiée lundi dernier, l'évêque de Bafan accuse la gouvernance actuelle d'être à l'origine de la détérioration des mentalités et exige la mise sur pied d'un code électoral consensuel. Le quotidien dans sa parution de ce matin titre appelle à l'insurrection et au renversement des institutions de la République par des responsables d'un parti politique, force restera à la loi. Les manifestations du 22 septembre sont dans le viseur d'Atan Gandhi, selon le titre brandi ce matin à la une de Repère. Et pour également en parler ce matin, le journal satirique Le Popoli se pose une question. Calme-toi Atan Gandhi, le deuxième round. Pour Cameroun Tribune, c'est la mise en garde du gouvernement qui prône au sujet des manifestations annoncées par le MRC. Dans un communiqué signé hier, le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, relève qu'aucune manifestation ne peut être considérée comme pacifique lorsque le but déclaré est le lancement d'un mouvement insurrectionnel. Le porte-parole du gouvernement rappelle que tous ceux qui s'associent à ce projet doivent s'attendre à en répondre devant la justice. Cette information au complet se trouve en page 3 du quotidien de Marie-Claire Nana. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la Revue de la Presse. Nous vous invitons à vous offrir au prix de 400 francs votre journal en kiosque pour ainsi participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain pour une autre édition. Bonne journée à tous.